tout le monde, c'est Picamille. Alors aujourd'hui, j'avais envie de repasser à une ouverture du bloc noir et blanc. Ça change un petit peu, notamment pour les duos pack Explorateur et Obscur. Je les ai achetés à Tous Fous d'époque, donc encore merci à toi Teddy de me les avoir vendus et de m'avoir fait un prix dessus comme d'habitude. C'est toujours super sympa de ta part. Ces duos pack en plus commencent à se faire vraiment super rares, donc j'avais envie d'en conserver un en fait et d'en ouvrir un autre. Mais je me suis dit que deux boosters, ce serait peut-être pas assez. Donc allez, je vais ouvrir les deux. Il y a les petites cartes holographiques de Lucario et de Persian juste ici. Et en dessous, il y a les cartes promo. On la verra mieux tout à l'heure quand je les aurai ouvertes. Et il y a en plus, il a pris soin de me mettre les quatre illustrations et les deux cartes différentes. Donc c'est juste parfait, comme ça je pourrais vous montrer les deux. Je vais peut-être les ouvrir en accéléré, comme ça, ça prendra beaucoup moins de temps. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de scotch dans les duos packs. J'ai décidé d'arrêter le mode accéléré pour le premier duo pack, tout simplement parce qu'il y a énormément de scotch, j'ai pas encore tout retiré, et je me suis aperçue en plus que ces andouilles, ils ont aussi scotché la carte promo que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc franchement, c'était pas très malin de leur part, j'ai eu peur de l'abîmer, donc même là, c'est pareil, ça me prend beaucoup de temps. Ceux-là, ils sont déballés, par contre, pour le deuxième duo pack, je vais faire une coupure, ce sera mieux parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est bon, les duo packs sont à présent ouverts, ils sont juste derrière sur le bureau. Je suis vraiment super heureuse d'ouvrir ça, mais je me dis j'ai peut-être fait une folie d'ouvrir des duo packs Explorateur Obscur, ça commence à être vraiment rare et à côté pas mal. Et ça fait très longtemps que je n'en ai pas ouvert d'ailleurs. Et je sais même pas si j'en avais ouvert sur ma chaîne, je sais que j'en ai ouvert beaucoup hors caméra, même tout un display, mais sur la chaîne non, il me semble pas. Donc c'est peut-être l'occasion de vous les montrer. J'ai les quatre illustrations. Ma préférée étant celle du Florizarre. Donc petit clin d'œil à Mega Florizarre. Ensuite le Darkrai qui est vraiment super joli aussi. Le Bagaïd. Et pour terminer, Minotaupe. Non, c'est Rototaupe ou Minotaupe? J'hésite toujours entre les deux, mais il me semble que c'est Minotaupe celui-là. Donc je vais les mettre de côté. Je sais pas si vous avez vu le fond, j'aimais bien celui-là, j'avais envie de changer pour une fois. C'est Pikachu contre Dracaufeu. Et ensuite, je vais pouvoir vous présenter les cartes holographiques qu'on a eues à l'intérieur de ces fabuleux duo packs. Celle-ci, je ne l'avais pas. Donc c'est une carte de Destinée Future. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est la 64/99. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup Lucario. Je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir un petit peu en rappel à la série Point Furieux. Et ensuite, nous avons un Persian que je trouve super beau aussi. Et pareil, une holographique de Destinée Future, mais celle-là, je l'avais déjà. Ok, je mets ça de côté. Ensuite, d'ailleurs, pourquoi Destinée Future, sachant qu'on ouvre de l'Explorateur Obscur? À moins que je me trompe de signe, on verra ça tout à l'heure. Nous avons une super belle promo qui est Riolu. Donc c'est la promo BW33. Juste ici. Honnêtement, elle est vraiment super belle. Je l'aime beaucoup et en plus, je ne l'avais pas. Et juste à côté, la promo de Miaouss, qui celle-ci est la BW35. Si vous voyez bien ici. Je pense que ma préférée, ce serait quand même celle de Miaouss. Je la trouve beaucoup plus jolie que celle-ci. Mais enfin, c'est quand même sympa. Ceci étant présenté, on va pouvoir ouvrir les boosters. Et je vais vous montrer d'ailleurs le dos d'un booster Explorateur Obscur. Pour que vous puissiez lire. Même d'un peu plus près, ce serait peut-être mieux. Voilà, et bien on est parti pour l'ouverture. J'ai vraiment vraiment hâte. Je vais essayer de ne pas les abîmer ceux-là. Ouh, la classe! Donc, petit poussif-feu. Les codes. Donc ceux-là, les codes online étaient vraiment super beaux. Donc bien sûr, je vais vous donner le premier code online d'Explorateur Obscur. Je ne sais même pas s'il fonctionne encore sur le fameux site, si vous pouvez encore l'utiliser, ou je ne sais même pas si ça vous intéresse encore. J'espère qu'on aura une bonne pioche, je croise les doigts.
D'ailleurs, j'utilise la nouvelle caméra dont je vous avais parlé dans la vidéo de badge Pokémon. Dites-moi si la qualité est bien ou si elle est mieux que celle que j'utilisais. Donc, Poussifeu, Chauve-sourire, un Krabicoque, je trouve vraiment super beau celui-là, un Tritonde, Pyronie, une Hyperbole. Waouh, elle est trop belle! Oh, elle est franchement trop belle. Vous voyez, Explorateur Obscur, c'est ce petit signe-là. Donc celle-ci, je m'étais pas trompée. C'était bien du Destiné Futur. Oh, le Noctali, j'adore, elle est magnifique. Pouh, et puis celle-là, je l'avais pas, j'en suis sûre. Le Montforêt, d'accord. Un Quenton en reverse, très sympa le Quenton. Et nous aurons Tranchodon holographique. Elle est trop belle. Tranchodon holographique. Super, super. Elle est trop belle, certes, mais Tranchodon, je l'avais déjà. Donc du coup, je vais vous faire gagner le Tranchodon. On passe avec le petit booster de Bagiguan. Ah, mal ouvert celui-là. Tant pis. En même temps, Bagiguan, c'est celui que je préfère le moins sur les quatre illustrations. Dites-moi ce que vous en pensez et laquelle vous préférez. Hop, le code comme tout à l'heure, que je mets à côté. 1, 2, 3, 1, 2, voilà, je ne sais même plus compter. C'est l'excitation d'ouvrir des explorateurs obscurs. Donc, nous aurons pour ce booster un Nanchouette, Caraving. Ah, oh, Tiplouf! J'adore Tiplouf. J'aime trop, trop Tiplouf. Quenton qu'on avait déjà vu. Un Zorua, magnifique aussi. Crabarak, d'accord. Ponchien, celui-ci je l'aime pas du tout ce Pokémon, je trouve qu'il sert à rien. Un super bonbon que j'ai eu en Shiny il y a pas longtemps. Loubar, Pitepol, ok, donc des gros méchants, des gros durs en reverse justement. Et nous avons un Rwagada en rare. Ok. Plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Je suis pas sûre que j'avais Rwagada en fait, donc voilà. Ensuite, donc, le Darkrai. L'illustration est quand même super belle aussi. On va regarder ce qu'il nous réserve celui-ci. Oh, mais j'arrive pas à bien les ouvrir. Ils sont trop fins, ceux-là. Je suis en train de le déchiqueter. Au secours. Le code. Vous me direz s'ils ont fonctionné. Pour ceux qui ont réussi à les choper, les codes, vous me direz si effectivement vous aurez réussi à avoir le code et à pouvoir jouer avec. Je ne sais pas s'il y a une date limite en fait, comme je ne joue pas du tout. Donc, Tritonde. Un Évoli, trop mignon. Mascaïmon. Poussifeu, trop chou. Poussifeu énervé. Un sort bébé. Sort boule juste derrière. Le Maillet amélioré, carte que j'avais beaucoup vue par le passé. Une Hyperbole, sympa. J'espère qu'elle va nous donner un Pokémon assez rare. Un Inflamanoir en reverse, super, c'est une rare reverse. Donc super bon booster. Et ensuite nous aurons un Zoroark en rare. Oh, elle est trop belle. Zoroark en rare, elle est magnifique. Avec la lune derrière, la pleine lune, c'est trop trop beau. Oh, c'est vraiment une rare qui envoie du pâté, celle-là. J'adore. Ok. Et ensuite, donc dernier booster, donc mon illustration préférée, j'espère qu'elle nous apportera une bonne pioche. Donc Steady, s'il y a une bonne pioche, voilà, je te remercierai jamais assez. J'ai bien envie de tirer une ultra de Explorateur Obscur, sachant que j'en ai quelques-unes quand même. J'ai quelques ultras d'Explorateur Obscur. Donc j'essaierai de vous les montrer à la fin de cette vidéo. Donc, de la même façon, le code. Allez, dernier booster, tu vas bien nous apporter quelque chose là. Ce serait sympa. Allez, on va profiter. On a un petit Négapi, c'est super sympa. J'aime beaucoup cette carte. Poussifeu. Donc l'autre, c'était pas le même justement. Là, il est plus kawaii mignon et l'autre, il est plus énervé. Un Krabicoque qu'on n'avait pas vu, je crois. Rototaupe. Ok, donc celui que j'ai ouvert, c'était bien Minotaupe comme booster. Zorua, toujours aussi sympa. Ponchien qu'on a déjà vu. N, voilà, N on l'avait pas vu, c'est sympa, je l'aime beaucoup ce personnage. Un super bonbon. Un Lamperois en reverse. Oui, il y avait Enchouette, Lamperois et Au Massacre.
des évolutions de Pokémon que je n'aime pas particulièrement. Et Aflamanoir en rare, ce qui est dommage parce qu'on l'a eu en rare reverse tout à l'heure. Bon allez, je fais une coupure, je mets un petit peu d'ordre dans mes cartes et je vous fais le récap. Me revoici pour le bilan de l'ouverture. Je vais commencer par vous représenter les cartes promotionnelles avec le Riolu justement que je trouvais super beau, mais pas autant que le Miaouss, qui sont voilà donc les deux promos des duopacks Explorateur Obscur. Je suis contente de les avoir. D'ailleurs, j'ai regardé qu'elles ne soient pas trop abîmées dans le sens où elles étaient carrément scotchées avec les boosters. Je trouve ça dommage de la part de Pokémon d'avoir fait ça pour les abîmer. Ensuite, nous avons le Lucario holographique. Rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup de les ouvrir. Une holographique direct dans le duo pack. Et pareil pour le Persian, que j'ai un coup de cœur pour le Persian. Je trouve magnifique. Ce sont déjà deux holos de gagner de Destinée Future. C'est quand même pas mal. Et ensuite, je vais commencer par vous présenter l'holographique qu'on a eu dans cette ouverture. Donc, je dis bien qu'on a eu parce que celle-ci, elle est pour vous. Alors, laissez un petit like, un commentaire et bien sûr, je vous l'enverrai avec toutes les autres cartes, justement, qui se trouvent ici. Je vous enverrai peut-être même, je crois, le Miaouss promo si je l'ai déjà. Le Riolu, je l'avais pas, mais voilà. Je verrai au hasard et tout. En tout cas, vous pouvez toujours gagner des petits bonus en plus qui ne sont pas dans cette vidéo. Le Tranchodon holographique que je trouve superbe. Un Rwagada en rare avec le petit phare derrière. Un Zoroark, mais magnifique quoi. Avec la pleine lune derrière, le point qui donne... Je sais pas si c'est rusé brutal, il me semble pas. Ou assaut obscur justement, en fonction du fond. Un Aflamanoir, super sympa aussi, mais qui est dommage parce que cet Aflamanoir, je l'ai aussi eu en reverse, on le verra tout à l'heure. Donc justement les reverse Loubar Pitépole. Le fameux Aflamanoir en rare reverse. Donc il y en aura certainement un pour vous, ça c'est sûr. Un petit Quenton. L'illustration est vraiment super sympa. Et un Lampérois. Voilà ce que nous avons eu. Donc pas d'ultra rare. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite vous montrer en caméra ce que j'ai comme ultra rare de cette série. Donc j'ai été chercher toutes mes holographiques et toutes mes ultra rares de la série. Je me rappelle effectivement, je vous avais bien fait une vidéo là-dessus où j'avais sorti d'ailleurs... Je sais plus, il y avait 15 boosters, quelque chose comme 15 boosters, et j'avais sorti qu'une ultra rare, mais je vous dirai laquelle tout à l'heure. Je vais commencer par celle-ci, donc les holographiques, avec un superbe Florizarre. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi je l'avais pas mis sous pochette. Je vais faire ça juste après la vidéo. Un Brazigali holographique aussi. Pangoléon, que j'adore. Au Massacre, je vous en avais parlé, je ne suis pas super fan de ce Pokémon. Un tout en Kaffer, mais là l'holographisme n'est pas le même, il est en mosaïque puisque je l'avais tiré dans un tripack il me semble. Un Croc horrible, assez badass aussi, toujours avec la pleine lune au fond. Et un Leuphorie holographique. Voilà pour celle que j'ai. Ensuite je vais tirer les ultra rares. On commence avec un Kyogre X, vraiment vraiment magnifique. Donc petit clin d'œil à Ruby Omega et Saphir Alpha. Un Darkrai, magnifique aussi, bien bien obscur celui-ci. Entei, Crofeu et Flamme Colossale, super beau honnêtement. Un Kyogre X Full Art, alors là vous serez étonnés parce que c'est un cadeau d'abonné qui m'avait aussi d'ailleurs offert un Dracaufeu holographique de Frontières Franchies. Ça m'a vraiment marqué parce que j'arrivais absolument pas à avoir cette holo. Et elle est d'ailleurs impeccable. Voilà, et je vous ai spoilé la dernière carte avant de vous en parler. C'est le Gardevoir Shiny. Très contente de l'avoir eu. Effectivement, je l'avais tiré en vidéo. Je vous mettrai le petit lien en bas de l'écran. Je l'avais effectivement tiré dans une vidéo sur 15 boosters et c'était la seule ultra que j'avais eue. C'était une Shiny. Voilà, c'est tout. Et puis très très peu d'holographique, il me semble. Enfin bon, je pense que ma réaction était assez épique comme ça. Donc si vous voulez aller voir, faites-vous plaisir. Voilà pour toutes ces petites cartes. Donc n'oubliez pas de regarder le début de la vidéo. J'avais mis une petite image avec un petit texte justement pour vous rappeler les gagnants en question pour les cartes avec le Tangelis holographique et le jeton de Pikachu. Surtout, retournez voir le début de la vidéo si vous ne les avez pas vues et n'oubliez pas de me laisser votre adresse tout court par message privé. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi en attendant, je vous fais plein de pika bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde !